Loué soit Jésus-Christ, sa grâce et sa paix soient avec vous. Certains refusent de baptiser leur enfant au motif de respecter sa liberté. Or, lorsque des parents lancent leur enfant dans l'existence, ils ne lui demandent pas son avis et pour cause. Et de même lorsqu'ils l'envoient à l'école, ils savent ce qui est bien pour lui et le lui donnent en vertu de leur responsabilité de parents. De même, des parents chrétiens, en plus de la vie naturelle, donnent à leur enfant, par le baptême, la vie surnaturelle, divine, que Jésus nous a donnée au prix de sa mort. Cette vie qu'il pourra toujours ensuite rejeter, en apostasiant, comme d'autres se suicident. Mais dans les deux cas, il ne pourra le faire que parce que la vie lui aura d'abord été donnée, gratuitement. Le baptême est un don. Mais comment le donner si on a soi-même perdu la vie éternelle.